Abla Mendim, os palhões machuou, ao caia o nosso curacarruja, pode fazer revisão e a reserplan da luta contra o desperdício de hidrocarburos. Abdu ao caia o centro no catuá é alimamuazal um, de carregar o projeto da Banco Mundial e aí fazer a carta, reserplan da desperdício de hidrocarburos. Warudi warere ya ekipuma za urgence heni poro ya moroni la mtamdu la mwali wakanaze ekipuma hizi. Alafu ziviri inga sinainuma haa kume na mitanu zepeiza heo seoi la programu dibavu ya mbwa programu ya sekurite maritimu regionali. Alafu amba heni nti wafanye ze plaza hao. Et nous avons toujours chinda ou demandé msada. Avant que ce soit un homme, nous demandons au secrétaire général ou à l'Organisation maritime internationale, nous demandons la convention de Nairobi, ou à l'Eria Maespere ou à l'Iliban, ou à l'Eria Fanya Zeplan National, les plans locaux, au Kahindi, ils ont besoin d'en fonctionner la configuration politique et à Hensi. Parce que ma gouverneur, la Sineda ou la Bojou, avant que nous avons fait des réviseurs, nous avons fait des réviseurs. Warudi wafanye neze annex wajuo yezo manando vye kampu wapareha na zombo ujo kauzizingara yezo manando vye ujo towe amde kampu wajiri hajali zombo yezo zirumilwa iyo ndi hazi kwa uja ifanye vano aruma zetu neze. Monsieur le docteur, nous savons qu'aujourd'hui s'est ouvert ce séminaire. Pouvez-vous nous situer un peu les... Oui, nous sommes réunis ici dans un cadre national qui regroupe les entités insulaires pour la révision des plans nationaux au niveau de la lutte contre le déversement des hydrocarbures. Nous sommes dans un état vulnérable, un état archipel où tout se passe du côté mer. Comme vous le savez, il y a 30% des produits pétroliers qui passent tout au long du canal de Mozambique qui traversent les côtes anjouanaises. Donc tous les pays de la COI, ils ont mis un programme avec certains pays de l'Afrique de l'Est, qu'on appelle programme régional sur la sécurité maritime. Et le thématique pollution marine, qu'on appelle Polmal, est éligible. Il est parmi les thématiques qui sont prioritaires. Donc chaque pays a été recommandé de faire une révision de ses plans. Ces plans ont été faits depuis 2002 lors du premier mandat de son excellence Ali Mamouazal Assoumani. Et ce mandature, nous avons reçu des équipements de première urgence pour chaque port. Donc aujourd'hui, c'est la partie comorienne qui doit réviser ses plans. Donc en tant que directeur général de l'ANAM, je saisis avec requête au secrétaire général de l'Organisation maritime internationale ainsi que la convention de Nairobi. Nous ont dépêché deux experts pour venir durant 4 jours faire la révision des plans de déversement des hydrocarbures au niveau des Comores.